Salut tout le monde, c'est Itachi et nous voici arrivés au quatrième épisode du Let's Play de New Super Mario Bros. U. D'abord, je voudrais vous remercier parce que visiblement vous êtes très enthousiaste à l'idée de découvrir ce jeu à mes côtés. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, on va pouvoir se resituer un petit peu par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Nous sommes allés foutre une tollée à Morton, enfin bon. Je dois avouer que j'étais un peu minable puisque j'ai perdu la première fois. C'est vrai qu'il n'était pas si évident que ça à battre cet ennemi-là, mais bon, voilà, bon, c'est fait. Et on va pouvoir passer à la suite, notamment à un prochain monde. Mais avant ça, on va d'abord revenir en arrière puisque, pour vous montrer, on va appuyer sur le bouton plus. Regardez les pièces étoiles. Bon, ici, tout est bon dans le premier monde. Mais par contre, ici, aux dunes de miel, j'en ai oublié une, la deuxième pièce du quatrième niveau. Donc on va y aller sans plus attendre. C'est ici, dans ce niveau qui s'appelle Désert au Geyser. Donc ouais, vous êtes nombreux à vous être foutu de ma gueule, parce que c'est vrai que sur le coup j'avais dit Geyser et je croyais que c'était je croyais bêtement que c'était le nom d'un ennemi, alors que bon, pourtant je connais bel et bien le mot Geyser. Tout est de ma faute, voilà. C'est moi qui suis bête, c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps, la fatigue, le stress, la gastro, c'est comme ça. Alors, en fait, voilà, cette deuxième pièce, elle est cachée ici. Hop, voilà. En fait, regardez, voilà, il y a un bloc qui est caché ici avec une fleur. Bon, on va le dégager celui-là. Cette fois-ci, j'ai pas foutu dans le vide. Et donc, on va pouvoir aller chercher la piécette là-haut. Ah bah tiens, d'ailleurs, il m'attend ici. Il m'attend partout celui-là. Hop. Hop, aïe, je me suis fait avoir bêtement. Allez, vas-y. Et donc voilà, cette deuxième pièce étoile. Donc maintenant, il me suffit simplement de terminer le niveau tranquillement. On va y aller tranquille. Alors, je vais quand même essayer de ramasser des piécettes, histoire de choper une vie, parce que là, je suis à deux doigts de gagner une vie. Et voilà. Bon, même si avec 48 vies, je devrais en avoir assez pour un moment. Ah, bordel, fumier, quoi. Ma trolled. Allez, j'essaie d'aller ramasser ça là-haut. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Hop, avec le Yoshi cheaté, tout se passe bien. Hop. Ah bordel, mais je suis nul comme ça, quoi. Je me surprends moi-même. Certains diront, on n'est pas surpris venant de ta part, Itachi. Oh bordel, mais nul, quoi. Bon, en fait, je cache pas que ça fait 2-3 jours. J'y ai pas joué. Putain. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué et là j'arrive plus. Et en plus les dernières fois où j'ai joué, je jouais toujours avec le gamepad alors que là je suis en train d'utiliser la Wiimote. Alors ça peut paraître encore tout con, mais je peux vous dire que ça change tout. Voilà, j'arrive même pas à taper ce bloc. J'essaie de choper quelque chose là, un item. Ça veut pas venir apparemment. Voilà. Voilà. Hop, une life ici, c'est toujours ça. Tchac. Et voilà. En tout cas, ça risque d'être folklore dans les niveaux qui vont venir, puisque, comme vous pouvez le voir, là, je suis vraiment très très nul aujourd'hui. J'ai envie de dire pour votre plus grand plaisir. Allez, hop. As-tu y arrivé? Oh là, j'aurais pas, même pas dû faire ça. Voilà. Oh là, Yoshi, il a été dégagé. Alors là, ouais, vraiment, aujourd'hui, je suis pas très skillé. Enfin, il faut que je me remette dans le truc. Hein. Généralement, quand je me lance, je suis un petit peu en galère. Mais d'ailleurs, j'étais en train de penser, vous savez, je vous ai montré notamment dans la première vidéo qu'il y avait des modes défis en contre la montre, etc. J'essaierai de faire une petite vidéo sur ces modes-là. Enfin, du moins, je vous montrerai mes replays en espérant pouvoir en faire un maximum en or, tous si possible. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà fait quelques démonstrations de ski dans les niveaux qui me sont disponibles pour l'instant. Donc je suis plutôt fier de moi. J'aurai l'occasion de montrer que je peux être bon de temps en temps. Allez, on va aller se faire le carotin ici, dans ce niveau mauvaise graine. Allez, cours carotin, parce que là, je suis chaud, quoi. Alors j'aimerais bien essayer de choper des trucs sur le passage, je sais pas si ça me fait perdre beaucoup de temps ou pas. Bon, le carotin, il est en train de s'enfuir un petit peu, là. Ah non !
Bon voilà, I'm definitely mauvais aujourd'hui. Pour ceux qui en doutaient encore. Allez, on va aller attraper le carotin, comme ça on sera tranquille, parce que là... C'était le carotin ou la plante, là. tu as récupéré mon sac, blablabla, bon. Todd nous raconte toujours la même chose. Et donc il nous donne un P. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'essayer ce champignon avec un P sur le front. Et en... Pardon. Et en réalité, c'est à peu près la même chose que le champiglan, en fait. Enfin, vous voyez d'ailleurs qu'il a carrément la même forme avec le petit truc, la petite grappe sur la tête. Sauf qu'en fait, ce champignon P, là, en fait, il nous permet de pouvoir voler à l'infini. Tout simplement. Il suffit simplement de secouer la Wiimote ou de secouer le gamepad. Et en fait, on va voler à l'infini, alors qu'avec ce champi normal, là, ce champi glan, on a la possibilité de voler une seule fois à chaque fois qu'on touche le sol. Enfin, une fois après avoir touché le sol. Bref, toujours est-il que... Bon, allez, on va aller dans les mondes suivants. Alors, cette fois-ci, c'est un peu particulier, puisqu'on nous donne la possibilité de choisir entre deux mondes. Soit le mont Sorbet, soit la mer Mantalo. Alors, bon, j'ai regardé rapidement, hein, j'ai été dans chacun des mondes pour voir à peu près ce qui s'y passe. Et je trouverais intéressant d'aller dans la mer Mantalo, parce que vous allez voir, c'est un très très bel endroit, d'une part, et d'autre part, visiblement, dans la liste des mondes, lorsqu'on est dans le menu, je crois que... non, c'est même pas ici, enfin si, quand on est en fait dans le menu des pièces étoiles, je crois que le troisième monde qui est mis, c'est forcément la mer Mantalo. Donc bah, on va aller vers la mer Mantalo, vous allez voir que c'est un très très bel endroit. Déjà sur la map, c'est vraiment très très beau. Et on va enfin pouvoir retrouver les bouts, notamment dans ce bateau fantôme. Voilà, donc on a même un tuyau juste à côté là pour pouvoir se téléporter. Même si pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Tiens, j'ai 50 vies, j'avais même pas fait gaffe. Et donc on va commencer ce premier niveau qui s'appelle Plage Mantalo. Ça laisse augurer vraiment un très bel endroit. Alors il faudra que j'essaie de récupérer un... J'essaie de récupérer tout simplement des champis. Hop. On va y aller tranquille. Nickel, hop. What? Calme. Vous voyez, un très très bel endroit. Surtout, même les décors en arrière-plan sont vraiment très très beaux. Moi, personnellement, ça me rappelle un peu les décors de Rayman Origins. Un petit peu. Même la musique, en fait. C'est un peu trop vite. Ah non, mais je suis nul, quoi. Ouais, non. T'es sérieux, Itachi? Wow. Non, mais je suis pas sérieux quand je fais ça. D'accord. D'accord. Non. Bon, on va se laisser embarquer par... Ah, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Voilà, bon, je préfère crever, vous savez quoi. C'est pas grave, parce que là j'ai commencé vraiment n'importe comment. Je suis perturbé avec les touches, je sais pas ce que j'ai. Allez, on va aller choper plutôt un champi comme ça, et j'aurai un peu plus la paix. Parce que là, notamment celui-là, je vois pas trop comment je peux aller chercher. Même si c'est peut-être simplement à cause de ma nullitude. Hop. Voilà. En tout cas, ça avait l'air d'être donc la deuxième pièce. Hein. Je pense pas en avoir oublié entre temps. Jack. Tiens, voilà, tu me sauveras tout. Et voilà. Hop. Ça c'est fait. Dans les tuyaux à l'horizontale, je pense pas qu'on puisse passer. Oh non, mais t'es sérieux quoi? Là, c'est vraiment des trolls. Il est en train de me foutre quelque chose au moment où je le vois, quoi. That is trolling, man. Hop. Ah, c'est vrai qu'il me donne que des trucs comme ça. Oh. Oh mon dieu, mais c'est pas possible, quoi. What a nullitude aujourd'hui. Ah non, d'accord. Oh, mais je suis d'une nullitude aujourd'hui, c'est incroyable, quoi.
C'était vraiment le moment pour tourner ce quatrième épisode. J'espère que vous aimez le fail, hein, parce que là, je crois que ça va pas être le dernier, notamment. Hop, allez, on va choper ça. Visiblement, pas de pièce étoile ici. Ah, mais je vous jure, je vais vous montrer les... Quand je vous montrerai les chronos que j'ai fait, en fait, je crois que vous direz non, c'est pas lui qui les a fait, c'est pas possible. tellement c'est assez incroyable la différence de niveau que. Ah, bordel! Ah, je vais le ramener à la maison. Au final, il y a une piécette. Bah, du coup, déjà les trois pièces, c'est plutôt cool. Hop! Voilà! Bon, déjà un très beau niveau pour le premier. Mais bordel, comment j'ai été mauvais. Je sais même pas comment je fais pour encore gagner des vies, puisque j'ai commencé le niveau avec... Avec 50 vies. Non, peut-être 51 vies, et puis là j'en ressors après être mort une fois, j'en ressors avec 52. C'est à n'y rien comprendre. En tout cas, je l'ai fait, I did it. Alors... Visiblement, cette fois-ci, ça va être une caverne. Ah non, enfin, même pas une caverne, non, plutôt carrément un monde aquatique. Même si j'étais pas suffisamment mauvais comme ça, il faut qu'il me foute dans l'eau. Allez, abordez pas les gloops. I hate the gloops. On va aller ramasser les piécettes là. Non. J'aime pas les gloops parce que c'est vrai qu'ils font des. Ils ont des mouvements assez peu prévisibles. Voilà. Alors les poissons comme ça, je crois que ça s'appelle des chip-chip. Vous me confirmerez ou pas. Mais bon, j'avoue que je commence à être skillé au niveau des noms des ennemis de l'univers de Mario. Oh. Voilà, cassez-vous les gloops. Tchac tchac. Alors ça, c'est vraiment le truc à avoir. Ah. La fleur de feu, parce que sinon, ça va être vraiment galère pour passer au milieu de tous ces poissons. Sinon, il faut avoir le... Comment ça s'appelle? Il faut avoir le pingouin, histoire de pouvoir nager de manière un peu plus agile. C'est vrai que là, c'est un peu le bordel. J'essaie d'observer si je vois des passages secrets, mais pour l'instant, j'ai rien vu. Espérons que j'ai pas oublié la deuxième pièce. Oh, comme ils sont gentils. Voilà, j'avais déjà 53 vies. C'est vrai qu'ils sont quand même très gentils au niveau du nombre de vies, etc. Du nombre de pièces qu'on peut ramasser, etc. Là-dessus, ils ont pas été chiens. Non, faut que je passe. Oh, regardez, c'est bon, il allait pas jusqu'en haut. Ah tiens, là, il y a un tuyau. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse y passer. Oh, merde. Oh, j'ai été attiré, là, sur le tuyau. Encore que je me suis pas loupé. Alors. Une étoile! Viens, petite étoile! Hop! Alors ça, c'est plutôt utile, surtout pour dégager ces gros porcs, là. Hop! Ah, bordel! Pardon, monsieur! J'aimerais... Non! J'aimerais passer... Bon. Enfin, on est vite attiré par le fond. Il faut faire attention. Pardon, monsieur le gros porc. J'aimerais passer. Comment ça, je vais pas me... Ah bon, bah, vas-y. D'accord. Alors, je sais pas, si ça tombe, j'aurais dû venir avec le... Avec l'étoile, probablement, parce que je vois pas comment on peut passer autrement. À moins qu'il y ait un passage sur le côté que j'ai pas vu. Allez. Je vais, par contre, bordel, il va falloir que je récupère un... Un champi très vite. Je vais laisser passer. Allez-y, passez. Parce que sinon, je vais trop galérer. Bon, c'était sûr qu'ils nous mettaient quelque chose là-dedans. Ils allaient nous mettre quelque chose là-dedans. Non! Non! Oh, le vilain gloops, quoi! Ah non, pas les violets, je les déteste. Alors, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, mais en gros, ils sont à tête chercheuse, littéralement. Alors, j'ai oublié la deuxième pièce. Je sais pas où j'ai pu l'oublier. Ah, vite, grimpe là-haut. Voilà, sortie, on se casse.
Donc il faudra que je revienne en enregistrement ici, histoire de pouvoir la repérer. Mais bon, c'est vrai que c'est bizarre, j'ai vraiment rien vu. Je sais même pas si elle est avant le checkpoint ou après. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors là, on va pouvoir se faire le jeu pour gagner des vies. Alors jusqu'à présent, je rappelle que j'en ai gagné aucune. Pas une seule. Et encore heureux qu'on n'en perd pas en ramassant des têtes de Bowser parce que... Allez, hop, lâchez-moi des pièces là. Hop. Voilà, encore une vie. Alors. Ah non. Non mais t'es sérieux. Mais non, regardez, j'en gagne même pas une. Oh le nul. J'en ai pris 4 et 4 minimum. Voilà. À chaque fois c'est comme ça. Incroyable. Incroyable. J'aurais pas gagné une seule vie dans ce jeu. C'est quand même dingue. J'ai envie de dire, il faut le faire. Allez, bah on est déjà à la tour intermédiaire. Ça me paraît avoir été très rapide. Ah ouais! Avec ces trucs là. Attendez, je vais me frotter à tous les murs comme d'habitude parce qu'il y a souvent des passages secrets. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Sous la flotte quoi, rien. Ok, on va avoir l'occasion de ramasser ça. Je sais pas si on a la possibilité de passer dans ces trucs là. Non. J'essaie de me frotter encore une fois contre les murs. Par exemple ici. Non plus. Bon, allez. Alors par contre là. De bêtises, parfois il y a des passages, voilà, il y a des passages si bas. Vous voyez ? Ah non, vite ! Non ! Ah ! C'était limite ! Voilà, avec une pièce étoile ici à ne pas oublier. On aura peut-être la même chose de l'autre côté, enfin, certainement pas une pièce étoile, on va pas en mettre deux d'affilée comme ça. Je vais aller de ce côté. Voilà, c'est vraiment juste. À chaque fois. Voilà, par exemple, je peux pas passer par ici. Voilà, il faut que je passe sur la gauche. Hop. Hop. Et voilà. Une vie, s'il vous plaît. Alors, la pièce étoile est carrément ici. Je sais pas. Faire ça comme ça. C'est bon, y a rien là-bas. Y a rien là-bas. Hop. Oh, la pièce, j'aime ça. J'aime quand il y a des pièces. J'aime les fleurs de glace. Ouh. Ah bordel, non. Ah, ah c'est pas vrai, j'ai touché le bord de la plateforme, je suis vert. Voilà, ça ne touche pas. Je suis vert de chez vert. Non, ça va. Normalement, il va pas me faire chier ici. Ouais. Hop. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose sur la gauche là. J'ai des soupçons. Hein. J'aimerais bien aller y jeter un oeil. Non, il n'y a rien là-bas. Ok, allez, on se casse d'ici. Bon, de toute façon, déjà deux pièces. C'est pas la fin du niveau, donc pas paniquer non plus. Ah d'accord. Comment ça se fait qu'il y a un passage, il y a un tuyau là-bas. Il y avait probablement la possibilité d'aller de ce côté, prendre le P. D'ailleurs peut-être que prendre le P était une nécessité pour avoir... pour avoir justement la troisième pièce. Ce sera à voir... à voir ce que ça donne. Allez là. Ah,
c'est pas grave. Perdu mon... Ah non ! C'est pas vrai. Hop, c'est... Oh, je savais pas où est-ce qu'il sortait. Oh, le con. Oh, décidément, je suis vraiment pas concentré depuis 2-3 épisodes déjà. Je fais vraiment n'importe quoi. Mais bon, le nombre de vies ne cesse d'augmenter. Je vais chercher l'erreur. Oui, j'arrive pas à avoir le timing qu'il faut pour pouvoir flinguer ces trucs-là. Voilà, ça c'est fait. Ah oh là là, c'est pas vrai. Je suis vraiment nul à ce point, non, t'es sérieux? Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, je vais descendre ici, là. Non mais sérieux. Enfin franchement là je suis limite à me poser la question si je fais pas exprès quoi. Allez vas-y. Ouais bah je vais prendre ça hein, franchement. Parce que sinon là je peux pas prendre la... Je peux pas prendre la pièce étoile. Et ça me saoule. That saoule me. Alors là non, non mais vraiment. Je fais du grand n'importe quoi. Allez. Hop, voilà, je vais attendre ici sagement. Voilà. Est-ce que je vais y arriver quand même? D'accord. Alors là, je vais tomber certainement contre le boss. Je sais pas s'il n'y a pas des trucs dans le coin là. J'aimerais bien choper au moins un petit champi. Ça pourrait être sympa. Même si c'est pas non plus le plus dur des. Y'a rien de caché du tout. T'es sérieux? D'habitude, il y a quand même des trucs de caché. Bon bah il n'y a rien du tout. Allez hop, la démerde. À la guerre comme à la guerre. Il va falloir le toucher 3 fois. Et ne pas crever. Et ça c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'elle va nous mettre? Hop voilà. Hop. Alors je sais pas c'est quoi le délire en fait là. Je sais pas trop c'était quoi son pouvoir entre guillemets. C'est peut-être en rapport avec l'eau. Je sais pas si c'est parce que ça glissait un petit peu. J'en sais rien. Bon, toujours est-il que comme d'habitude je l'ai enchaîné histoire d'avoir la paix. Voilà. Donc on débloque le passage du côté du bateau hanté des goûts. Il y a de plus en plus sinistre du côté du château de Peach. Allez, bon, je vais faire une save. Alors, bah, je crois qu'on va se quitter sur ce truc-là, parce que franchement, je me suis vraiment senti minable là, dans tout l'épisode. J'arrive pas trop à jouer, donc bon, je vais me reprendre tranquillement. Je crois que je vais faire une partie, en fait, de mon côté, en fait, une partie annexe. On va dire à cette partie du let's play histoire de pouvoir rester toujours dans le move parce que là quand je joue pas au jeu pendant 2-3 jours j'avoue que je suis complètement déstabilisé et j'arrive même plus à sauter sur un ennemi, j'arrive plus à rien anticiper et puis les changements de contrôle entre la Wiimote et le gamepad ça me perturbe un petit peu aussi donc bah je crois que voilà je vais essayer de me remettre un peu au jeu de mon côté refaire les niveaux précédents pour pouvoir être un peu plus capable de faire de bonnes choses pour ce let's play. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus pour la suite.